Hey yo tout le monde, c'est Golgot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Call of Duty Mobile mais en mode zombie. Cette vidéo elle aura pour but de pouvoir vous présenter un easter egg qui se trouve sur la carte qui est actuellement la carte de Shinonuma qu'on pouvait retrouver sur les anciens Call of Duty. Mais juste avant que cette vidéo commence, on n'oublie pas les pouces en l'air et les petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Et pourquoi pas s'abonner et activer la petite cloche de notification. Allez, sans plus tarder, je vais vous présenter tout ça, c'est parti. Sur la carte Shinonuma de Call of Duty Mobile, vous pouvez réaliser un easter egg. J'ai réalisé cet easter egg sur le mode hardcore qu'on peut retrouver dans les menus du mode zombie. Pour pouvoir commencer cet easter egg, il faudra au préalable retrouver deux pièces qui se trouvent dans le bâtiment principal, là où vous apparaissez. Ces petites pièces sont en forme de rouage et vous pouvez les retrouver un peu partout dans le bâtiment. Je vais vous montrer à l'écran les différents endroits où on peut les retrouver. Une fois ces deux pièces en votre possession, retournez à l'étage et vous pourrez alors apercevoir qu'il y a comme un boîtier électrique rouge. Vous pouvez alors à présent interagir avec celui-ci pour installer les deux pièces qui lui manquaient. Une fois les deux pièces en sa possession, le petit panel électrique va alors clignoter en vert. Vous pouvez à présent l'utiliser. Une fois que vous l'aurez utilisé, celui-ci va vous amener dans le laboratoire. Dans le laboratoire, dirigez-vous dans la pièce qui est la plus à gauche. Vous pourrez alors apercevoir qu'il y a comme des petites plantes dans la terre. Il faudra à présent que vous les tuez. Une fois toutes les plantes éliminées, retournez un peu plus loin dans le laboratoire et vous pourrez alors apercevoir une pièce sur la droite avec de gros ordinateurs. Il va falloir que vous interagissiez avec celui-ci. Une fois accepté, vous pourrez alors apercevoir que le boss en haut va changer. Remplissez toutes les manches et vous pourrez alors apercevoir qu'arrivé au boss, le boss aura changé. Ça sera une sorte de gros arbre à tuer. Faites attention parce que son pattern est très différent de l'autre boss et vous pourrez vite vous faire avoir. Sans oublier qu'on a du temps aussi pour pouvoir le tuer. Voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, bah, on pense bien à s'abonner, à mettre un petit like si c'est pas déjà fait. Sur ce, on se retrouve dans d'autres vidéos. Prenez soin de vous les amis. Tchuss !